Mesdames et messieurs, bienvenue à ces magazines hebdo consacrés aux activités de l'église kimbanguiste à travers le monde. Diego Ilombo à la présentation, Gaston Ikati à la technique. Au sommaire, 12 février 1914, 12 février 2015, le fidèle kimbanguiste ont célébré les 101e anniversaire de la naissance de Papa Charles Kisolokele Lukelo, premier fils de Papa Simon Kimbangu. Plusieurs activités ont été organisées à travers le monde. C'est déjà une année depuis la disparition physique de maman Salou Ankanda Pauline, épouse de Papa Kisolokele Lukelo. Les kimbanguistes prenant l'unité de la famille sainte se sont rendus massivement sur le lieu où repose son corps. Le 12 février 2015, le fidèle kimbanguiste ont célébré à travers le monde les 101e anniversaire de la naissance de Papa Charles Kisolokele Lukelo, premier fils de Papa Simon Kimbangu. À Kinshasa, précisément à Monkoto, le fidèle kimbanguiste prenant l'unité de la famille sainte ont exprimé une joie intense sous le son de la fanfare. Le chef spirituel adjoint Salomon Kisolokele Kiangani s'est adressé aux fidèles tout en se basant sur la confiance, l'assurance que ces derniers doivent avoir envers Dieu. Rappelons que cette cérémonie a marqué aussi la clôture du centenaire caractérisé par la reconstruction de la maison de Papa Charles Kisolokele située dans la commune de la Gombe, signe d'un cadeau de la part de fidèles kimbanguistes venus du monde entier. Pour clôturer les festivités du centenaire en beauté, des soirées culturelles ont été organisées à Kinshasa, en Europe et de partout. Quittons la République démocratique du Congo pour la République d'Angola où le chef spirituel adjoint Paul Kisolokele Dialungana a inauguré ce même 12 février 2015 un bâtiment administratif. Enflé de joie, il s'est exprimé au micro de notre confrère Carlos Makiesi. Merci Mingi. Wana ezali mabomba mi ya Nzambe. Bambate tomoni banda ku Mingi tongami. Na sima na biso to pesi penze la basali no geraso. Nenda ku ezana mabomba mi Mingi. Nenge boyebi banga li boso to chaki ya ngwa wa le 12 février 2003 na mokola le. Na 2003 wana kaka na sanza ya zomi na moko donc na novembre biso to bimaki tozalaki soso wate mendako totikaki yango deja na niveau sur le plan ya construction na niveau ya weza donc tikalaki misala deja tozalaki kopreparé kutya baporte na bafenetre misala wana nde tolandi yango na téléphone na makasi ya batambusi totikaki yango na balimi.
ezali kolanda kango peso mama te mosali 26 ans yango esila ki depuis fale ba inaugure yango depuis kala metango nyonso ezali koprogramme ezali korade donc wana ezali te mabombani ya nzambe pamba te totongi bandako ya nzambe mingi tosali ba inauguration mingi awa tozotinda bambuta bakende kosala me oyo bambuta ya awa liboso bango basengaki ete ya solo ndako ekofungama te soki bapapa baye nangola te. C'était l'alléchat spirituel adjoint Paul Kisoleke le Dialungana. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, le fidèle kimbanguiste prenant l'unité de la famille sainte en commémoré le 18 février 2015 à travers le monde, une année depuis la disparition physique de Maman Salou Nkanda Pauline. Des cultes d'action des grâces ont été organisés de partout. À Kinshasa, le fidèle se sont rendus massivement à Kinimi, situé dans les territoires de Kasangoulou dans la province du Bas-Congo, où repose son corps, juste pour la commémoration de cette date. Le chef spirituel adjoint Charles Dianguinda Kisolokele a remercié au nom de la famille les fidèles kimbanguistes ayant assisté à cette première commémoration. Au Congo, je suis en train de remercier les gens qui ont été en train de se faire. Le jour est la date anniversaire. On a un peu de temps pour que les gens qui ont été en train de se faire. Je suis un salon de maman qui a été en train de se faire. Je suis un salon de maman qui a été en train de se faire. Je suis un salon de maman qui a été en train de se faire. Je suis un salon et bon, il y a pardon, la qui s'en a bango. Oh, qui toque l'héritage, qui toque ma tique l'huisseau. Et à Moulingo. L'heure de recueillement se pointe, d'abord la famille sainte, sous l'ambiance de la fanfare, et les fidèles kimbanguistes ont à leur tour fait les fils. Signalons que Maman Saloulou Nkanda Pauline, épouse de Papa Charles Kisolokele Lukelo, a laissé des milliers de témoignages très positifs sur cette heure. Genre yaba mama lokola oyo wana soki ba côté likolo te na yibite soki mutu mususu susu na mokilo ya zali oya koki kokota likolo mama azaki na bolingo mingi na batu mkolo wana soki batu basate omona uvanda nikaka kimya omona soki ndenge nini me soki mkolo wana zui visite ya bandimi to surtout batu ke ayebaka deja kala soki ba ye bala moko omona ba image wana ya kala ezozongela amona akobeta histoire amona akoluba akoyemba surtout koyemba mama lingaki koyemba mingi mama zaiki na bolingo na batu makasi mama zaiki kokabolate ata biso banoye aboti na molimo na aboti na bonzoto en tout cas différence ezalaki te et surtout soka moni batu baye mama zaiki ne sengo makasi ya komona bana baye kotala ye bandimi na ye baye. En tout cas, il y a des gens qui ont été en tout cas, maman a été en train de se faire. Donc, maman a été en train différence, c'est qu'elle a été même en train de se faire vendre. Donc, nous avons été en train de se faire vendre à maman. Donc, elle a été en train de se faire vendre. Différence, c'est qu'elle a été en train de se faire vendre. Elle a été en train de se faire vendre. Oyo ya li amoni ya lingomba ya molimo donc azalaki pena ne sengo makasi tanga moni bango soki ba ye bazoko yemba baza ko sepelisa ye en tout cas ye pa azalaki ne sengo makasi surtout soki ba lingi bazonga en tout cas eloko ane banan sale pasi mingi souci ndenge ne bolimbo kende boutique ngai le total après 2001 ma humiliation maman à vivre. Depuis le conflit bandit, des fois ça me faisait très 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 mal. Parce qu'en tant que moi, il y a toujours des sentiments, il y a un rattachement vis-à-vis de sa mère. Et puis moi, j'ai toujours vécu proche de mes parents. Des fois, ça faisait mal, oui. C'était là les chefs spirituels adjoints, Simon Kisolokele Kimbangu. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à terme de ces magazines hebdo. Avant de nous séparer, voici le rappel des titres.
12 février 1914, 12 février 2015, le fidèle kimbanguiste ont célébré les 101e anniversaire de la naissance de Papa Charles Kisolokele Lukelo, premier fils de Papa Simon Kimbangu. C'est déjà une année depuis la disparition physique de Maman Salou Ankanda Pauline, épouse de Papa Kisolokele Lukelo. Les kimbanguistes prenant l'unité de la famille sainte se sont rendus massivement sur le lieu où repose son corps. Nous vous remercions d'avoir suivi votre magazine Hebdo. Bonne suite des programmes sur la RTK.